Bonjour, je suis Christina Locaitis. Je suis professeure à l'université d'Arizona. Donc, salutations depuis cette université où il fait très chaud. Au début, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous comprendrez que les langues sont, que nous avons un langage dans les chromosomes, dans l'ADN, que les gènes sont transmis des parents aux enfants. Et quand les gènes ne sont pas bien écrits, disons, il y a des maladies qui se produisent. Je vais parler des différents organismes et je vais parler des gènes. Il y a différents concepts qui peut-être sont connus de certains d'entre vous, mais je vais quand même en parler pour que nous puissions tous comprendre la terminologie. Donc, le corps d'une personne est composé de différents organes qui font différentes tâches. Par exemple, le cerveau est important pour que les gens puissent réfléchir, puissent traiter les informations. Les reins vont filtrer le sang. Les intestins vont digérer et absorber les aliments. Donc, un organe est composé de tissus, différents tissus. Il y a des systèmes d'organes, comme le système digestif, et il y a différents organes, comme l'estomac. La paroi de l'estomac est un tissu. Et ce tissu est composé de différentes cellules. Comme j'ai dit, les tissus sont composés de cellules et il y a différents types de tissus. Dans le tissu épithélial, il est facile de voir les cellules. Vous les voyez ici en haut à droite. Vous avez le contour et le noyau de la cellule. Le tissu névralgique a différentes connexions que l'on voit ici. Pour le tissu musculaire, c'est plus difficile à voir, il forme un réseau et les tissus conjonctifs sont uniques. Ceux-ci sont importants pour donner une cohésion aux autres types de tissus. Ils sont très importants dans la peau, notamment dans la paroi intestinale, dans les vaisseaux sanguins, mais ils sont importants dans différents types de tissus parce qu'ils donnent une cohésion à tout. Mais comme d'autres types de tissus, ils sont composés de cellules, nous pouvons voir les cellules, et ils ont aussi différentes choses autour, différentes protéines de leur matrice. On parlera de ces protéines d'ailleurs dans quelques minutes. Les cellules sont toute importance pour les différentes tâches que réalise le corps et ce que font les tissus, les organes. Et nous trouvons aussi les informations qui nous disent quoi faire. Ces informations sont dans le noyau, c'est aussi au milieu. On les trouve dans différents organismes. Et dans cette petite partie, il y a aussi différentes parties. Dans les cellules, il y a différentes parties, donc le noyau et d'autres éléments que nous appelons organites qui font aussi différentes tâches dans la cellule. La cellule pourra ainsi faire son travail dans un tissu, le tissu dans un organe et l'organe dans le corps. Finalement, nous voyons, donc nous avons les cellules, dans les cellules le noyau et dans le noyau nous voyons des chromosomes. Les chromosomes, ce sont des lignes d'ADN. L'ADN est ainsi organisé en chromosomes. Il y a 3 milliards de bases d'ADN dans le noyau de chaque cellule du corps humain et il faut qu'elles soient organisées. Ainsi, elles seront organisées en structures appelées chromosomes. L'ADN, il constitue, pour ainsi dire, l'alphabet des gènes. Nous reviendrons aux gènes un peu plus tard, mais nous allons rester pour l'instant sur les chromosomes. Voilà un schéma ou une image des chromosomes d'une personne. D'habitude, les chromosomes ne sont pas si nets. En général, les chromosomes sont répartis, sont distribués partout dans le noyau de la cellule. Ils sont plutôt organisés, plus qu'on ce qu'on pourrait croire, et ils sont organisés en fonction de ce qui est plus actif dans une cellule à un certain moment. On peut penser au noyau d'une cellule comme si c'était l'armoire de quelqu'un à la maison. Les chromosomes sont, ou les gènes plutôt, sont tous les vêtements de l'armoire. Ils sont un petit peu partout. Mais même dans la chambre d'un adolescent, il y a une certaine organisation. Les vêtements qui sont portés plus souvent ou qui sont plus actifs, en général, ils sont au-dessus de la pile. Et ceux qui sont moins utilisés, ils restent en bas. Et c'est ce qui se produit dans une cellule. Les gènes qui sont plus actifs à un certain moment donné, ils sont placés dans des endroits où ils sont facilement accessibles et ceux qui sont inactifs restent en retrait. Il y a des
cellules qui vont essayer de se répliquer, forcément, et c'est à ce moment-là que les cellules sont plus organisées. D'ailleurs, c'est très organisé parce que c'est comme si quelqu'un avait pris une photo de ce noyau pour répliquer les chromosomes. Donc, ce sera exactement pareil. C'est vrai que cela va dépendre aussi de la quantité de protéines qu'il y a autour de l'ADN, à quel point l'ADN est accessible. Il y a deux types de chromosomes. Il y a les chromosomes autosomes qui peuvent être hérités de notre père, de notre mère. Et il y a les chromosomes sexuels, le X et le Y. On a le X du papa ou de la maman, mais on ne peut avoir un Y que du papa. Donc ce sont les chromosomes spéciaux qui vont déterminer le genre d'une personne. Dans l'ensemble, les personnes ont 46 chromosomes, dont 23 paires de chromosomes, car ils vont tous par paires. Ainsi, les gènes sont écrits dans la langue de l'ADN et ils sont regroupés en chromosomes. Les gènes sont aussi les instructions pour le travail que doit réaliser un corps. Nous voyons aussi une cellule en haut avec son noyau en jaune. Et dans le noyau, il y a le génome. Le génome, c'est le terme que l'on donne à l'ensemble de l'ADN d'une personne. Toutes ces 3 milliards de paires de gènes, cet ADN, ils sont organisés en chromosomes. Comme nous le disions, c'est l'ADN qui est regroupé. Et dans l'ADN, nous trouvons des gènes. Des sections de l'ADN vont coder nos gènes. Et les gènes, finalement, ce sont les instructions qui vont déterminer la création de protéines. Nous allons donc parler de protéines. Les protéines, c'est ce qui fonctionne à un niveau très bas. Certaines protéines sont des enzymes, comme dans les intestins, ça va nous aider à digérer les aliments et à les absorber. D'autres vont constituer des protéines comme le collagène, des protéines constructives. C'est le collagène, vous savez qu'ils sont importantes dans le tissu conjonctif. Si le collagène ne fonctionne pas bien, ça peut nous amener à des types de syndromes d'alors dans l'os hypermobile. Dans l'ADN, nous trouvons les instructions et l'ARN, c'est plutôt un messager qui amène aux protéines. Je ne vais pas trop parler de l'ARN, mais l'important, c'est que nous arrivons aux protéines. Et les protéines sont les cellules qui font ou ce qui fait tout le travail. C'est un dogme central. Nous passons de l'ADN à l'ARN aux protéines. C'est vraiment quelque chose de basique dans la biologie moléculaire. Comme je le disais, il y a ce dogme central où l'ARN est répliqué en un ARN pour après créer des protéines. Et c'est ce qui va nous permettre que le corps fonctionne et qui va déterminer d'ailleurs la physiologie d'une personne. Lorsqu'il y a un problème au niveau de l'ADN, ceci est passé aux autres niveaux et ça peut amener à des différences dans la protéine et des différences dans l'apparence d'une personne, dans la physiologie. Donc finalement, on peut dire que les gènes constituent les instructions pour les tâches qui doivent être réalisées dans le corps. Donc, quelques éléments de base à savoir sur les gènes. Nous avons tous 3 milliards de bases d'ADN dans le noyau d'une personne et chaque fois qu'une cellule se divise, elle doit fournir une copie exacte de cet ADN à la cellule phi. Donc, avant qu'une cellule puisse se diviser, elle doit copier les 3 milliards de bases d'ADN. Cela veut dire que chaque cellule commence avec deux copies de chaque gène et puis elle va doubler cette quantité jusqu'à 4 copies et elle va se diviser jusqu'à ce que chaque cellule phi ait deux copies. Tout ce processus est assez compliqué et c'est quelque chose qui fonctionne grâce à cette nature de double hélice de l'ADN. Et ça fonctionne parce que les T vont avec les A, il y a des lettres qui vont ensemble et cela fonctionne tout simplement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs. Il y a deux types de cellules dans le corps des personnes. Il y a les cellules somatiques. Les cellules qui proviennent d'autres cellules, par exemple dans la peau, dans la paroi abdominale ou dans d'autres organes,
ces cellules doivent se diviser pour créer de nouvelles cellules que lorsque d'autres cellules meurent. Dans le processus de création de cellules somatiques, il peut y avoir différentes implications. Des fois, cela fonctionne bien ou pas. Des fois, il y a des mutations et c'est ce qui peut créer des problèmes. Des mutations ont des conséquences, mais pas toujours. Par exemple, il y a des mutations dans les cancers. Ce sont des mutations qui ne sont pas transmises de manière héréditaire, mais elles sont importantes, bien sûr. Quand il y a des mutations dans les cellules germinales, c'est les cellules qui créent les spermatozoïdes et les ovules, et ce sont des cellules qui sont transmises aux autres générations, et là, on peut transmettre des maladies. Donc, en général, ce sont des informations erronées qui viennent de cette réplication de cellules, donc qui viennent d'il y a très longtemps. Dans les cellules typiques, les cellules somatiques du corps, là, nous commençons avec 46 chromosomes, puis il y a une réplication et il faut que ceci se divise, les cellules se divisent donc avec deux cellules phi et que chaque cellule finisse avec 46 chromosomes. Et si cela ne se passe pas bien, des fois les personnes développent un cancer ou on finit avec des cellules qui ne fonctionnent pas bien. Et finalement, on voit que les cellules phi finissent avec deux copies de chaque gène. Voilà le processus typique pour les cellules somatiques. Ce processus ne fonctionne pas toujours très bien, des choses ne se passent pas bien. Mais bon, on va essayer d'éviter d'appeler les avocats, même si ça ne se passe pas bien, on ne peut rien y faire. Bon, avec les cellules germinales, c'est vrai que nous commençons avec deux copies de chaque cellule, et il y a différentes divisions qui se produisent, de sorte qu'à la fin, le spermatozoïde ou l'ovule finissent avec une seule copie. Donc c'est un processus quelque peu différent. Mais nous arrivons à cette réduction du nombre de gènes. Et pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que c'est quelque chose qui est à la source de ce qu'on appelle la ségrégation. Là, je vais vous transmettre quelques termes parce que c'est des choses que vous allez entendre. Donc, différentes versions d'un gène sont appelées des allèles. Et la plupart des personnes ont deux copies de chaque gène. Donc, si les copies sont légèrement différentes, on les appelle différentes allèles. Ce processus de création de cellules germinales, on prend deux copies de chaque cellule et on finit avec une seule copie dans l'ovule ou dans le spermatozoïde. C'est un processus totalement aléatoire. C'est un processus qu'on appelle ségrégation. Et chaque fois qu'un spermatozoïde est constitué, une fois qu'il est le R majuscule de la mère, ou le R minuscule de la mère, donc il y a 50% de probabilité. Donc la cellule germinale de chaque prominateur a les deux copies. Et dans ce processus de meiose, ce qu'on appelle la meiose, on va créer un ovule qui a l'un ou l'autre, le R majuscule ou minuscule. Pareil pour le spermatozoïde. Il y a deux allèles dans le père. Il peut y avoir le R majuscule ou le R minuscule. C'est un des deux qui va être transmis, et quand on regroupe celui qui vient de la mère et du père, nous allons avoir un résultat. C'est une option sur quatre. Ceci nous amène à Mendel. Je ne sais pas si vous avez des cauchemars de vos classes de biologie au lycée, je ne sais pas. Je le comprendrai d'ailleurs, bien sûr. Mais bon, je parle de Mendel parce qu'il nous parlait des poids. Il nous disait que la ségrégation des différents allèles provoque des manifestations héréditaires. Lui, il comprenait que ce n'était pas un mélange, c'était une séparation des poids et puis ils se regroupaient. Donc, on peut avoir des poids jaunes et des poids verts de l'autre côté et quand ils se regroupent, nous pouvons voir les effets de la ségrégation, mais dans une deuxième génération. Peut-être que les réplications des pois seront les deux jaunes, mais deux générations plus tard, nous aurons des pois verts. Je vous recommande de visiter le musée de Mendel, qui est très intéressant, un musée dédié à Mendel, son travail à Brno, en République tchèque. Dans termes par rapport à l'être humain, c'est ce qui nous amène au patron héréditaire. Il y a des gènes dominants et récessifs. Nous parlons des gènes dominants. Ici, nous avons deux parents. Un des parents a une maladie, l'autre ne l'a pas. Chacun de ses parents
a deux copies d'un gène. Donc, deux chromosomes ici, l'un pour le papa, l'un pour la maman. Chacun d'entre eux a deux copies de le gène qui nous intéresse. Dans le cas du papa, l'une des copies a une mutation. Donc, le papa a deux allèles, une allèle a une mutation. Cet allèle, avec la mutation, domine la copie normale, ce qui fait que le papa a une maladie. La maman a deux copies, mais ces deux allèles ne provoquent pas de maladie. Elles sont normales. Qu'est-ce que cela veut dire pour la génération suivante? Comme je disais, lorsque le spermatozoïde du papa se constitue, la moitié de sperme aura l'allèle qui provoque la maladie et la moitié aura une copie du gène qui ne provoque pas la maladie. Et chaque enfant qui a l'allèle dominante qui provoque la maladie aura la même maladie que le papa. Et chaque enfant créé avec le spermatozoïde qui a l'allèle qui ne provoque pas la maladie aura aussi la copie normale de la maman et ils n'auront pas la maladie. Donc la moitié des enfants de quelqu'un qui a un gène autosomique dominant aura cette maladie, c'est 50% de possibilité. Donc on aura de toute manière deux copies du gène dans ces enfants, mais certains auront hérité le gène qui provoque une maladie à travers cet allèle. C'est un peu différent à l'héritage autosomique récessif. Dans ce cas-là, nous avons une personne qui a deux allèles qui provoquent des maladies. Quand c'est récessif, cet héritage récessif, les parents qui ont une seule copie de la mutation n'affichent pas cette maladie. C'est parce que cette maladie, l'allèle qui provoque la maladie est récessif par rapport à l'allèle normal. Donc l'allèle normal ici est dominant et l'allèle qui provoque la maladie est récessif. Donc les personnes avec une seule copie de l'allèle qui provoque la maladie ont un phénotype normal et non pas la maladie. Donc un génotype, c'est ce à quoi ressemblent les gènes et le phénotype, c'est l'apparence d'une personne. Est-ce que la personne a la maladie ou pas? Donc les enfants de porteurs d'allèles récessifs peuvent avoir la maladie ou pas, mais dans une proportion différente par rapport à une maladie autosomique dominante. Pour l'enfant d'un porteur, pour que cet enfant ait la maladie également, il faut qu'il ait été créé cet enfant avec le sperme qui a la mutation et l'ovule qui a la mutation. Ces deux choses doivent se produire pour que l'enfant soit porteur de la maladie. Donc ceci peut se produire d'une manière, d'un point de vue statistique, 25% des fois. Si l'un des parents donne à son enfant l'allèle qui provoque la maladie et l'autre parent donne l'allèle normale à son enfant, à ce moment-là, cet enfant sera porteur, mais il n'aura aucun signe de la maladie. C'est quelque chose qui va se produire donc 50% des fois. Et finalement, il est également possible que cet enfant soit créé à partir d'un sperme qui a une allèle normale et une ovule qui est d'une allèle normale qui n'a pas la maladie. Donc à ce moment-là, cet enfant ne sera pas affecté, il n'aura pas la maladie, il ne sera pas porteur, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas transmettre ce gène. Donc s'il y a des enfants qui ont des parents avec ce gène autosomique récessif, 25% auront la maladie et seront porteurs, 25% n'auront pas la maladie et ne seront pas porteurs, et 50% n'auront pas la maladie mais seront porteurs. Il y a un troisième type de parents. La séquence que les gènes sont codés sur le chromosome X et qu'ils sont porteurs de maladies, ces allèles. Pour cet héritage, ça dépend de quel parent est porteur de l'allèle qui porte la maladie. Mais ce n'est pas vraiment important pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, donc je ne vais pas entrer dans les détails.
Donc nous avons parlé des gènes des parents qui sont transmis aux enfants et maintenant nous allons parler des mutations. J'assume que les gens comprennent que la mutation génétique amène à des maladies, mais je vais quand même vous dire comment cela se produit d'un point de vue mécanique. D'ailleurs, je crois que nous allons entrer dans ce sujet un peu plus en détail dans la présentation suivante. Comme je disais, l'ADN, c'est le langage de notre gène et c'est ici le code génétique. Donc, la manière de structurer ce langage, c'est qu'il y a trois bases d'ADN. C'est des triplets, des A, des G, des C. Et ils vont coder les acides aminés des protéines. Donc, le dogme central, c'est ADN, ARN, protéine. Le langage de l'ADN est fait de triplets. Et le langage des protéines, c'est les acides aminés. Donc, le langage ADN, c'est les C, les T, les G, les A. C'est organisé en triplets. Ceci va coder les protéines qui sont formées d'acides aminés. Donc, qu'est-ce qu'un acide aminé? C'est un peu comme les Lego, les acides aminés. Vous avez ici les parties ou les structures qui vont composer ce qu'on va faire. Donc différents triplets d'ADN vont chacun coder différents types de Lego. PTT, ça va nous donner la phénylalanine. Et CTT, c'est la leucine. Et si on met tout ceci dans un certain ordre, on aura les instructions pour faire ce qu'on souhaite faire. C'est comme pour les Lego, le corps crée un nombre défini de protéines. Les protéines sont composées d'acides aminés qui sont codés par des codons d'ADN. Certains de ces acides aminés sont spéciaux. Ce sont des acides aminés de terminaison. Ils aident à faire cette structure de Lego, à la terminer. C'est ceux qui disent, voilà, la structure est terminée, on peut passer à autre chose. Les mutations d'ADN peuvent modifier les protéines. S'il y a une différence dans l'ADN, on peut avoir un code qui dise qu'il faut utiliser un autre acide aminé et on aura à ce moment-là une autre protéine. Je vais vous donner ici un exemple où les mots de l'ADN, c'est CAT, 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 et chacun de ceux-ci va coder pour l'histidine et ceci va déterminer la protéine. Mais si nous échangeons ce T et le remplaçons par un A, à ce moment-là, nous avons de la glutamine qui entre en jeu. Et la glutamine, c'est une pièce noire de citrouille. Donc on a des blancs, des noirs, des blancs. Donc on a une protéine différente par rapport à avant. Le docteur Malfait nous parlera de l'importance de ces différences. Des fois, ces différences sont importantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend. Il y a d'autres types de mutations qui sont assez souvent problématiques. Ce sont les décalages du cadre de lecture. Je parlais que l'ADN a un langage organisé en plusieurs lettres, en trois lettres. Ce sont des triplés de lettres, trois lettres. Mais si nous enlevons une de ces parties, par exemple le C ici, ce n'est plus 4, 4, 4, c'est autre chose. On change la structure. Au lieu d'avoir 4, 4, 4, nous avons quelque chose de totalement différent. 4, 4, et puis après A, ATC, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un codon de terminaison, un codon stop, et on arrive à la fin. Donc on passe d'une structure ordonnée de Lego à un chaos. C'est les structures chaotiques de l'ego et ces mutations peuvent présenter davantage de problèmes. Je peux continuer à parler de mutations génétiques pendant toute la journée, mais c'est vrai que nous sommes ici pour apprendre les bases. Donc je vais maintenant faire le lien avec ce qui vous intéresse, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os. Je vais parler de la manière à travers laquelle nous pouvons désigner les mutations pour que vous puissiez comprendre les tests génétiques. Vous aurez dans les tests génétiques souvent différentes lettres, différents chiffres, mais il y a une certaine signification. Donc voilà les exemples de différentes mutations d'un type de collagène. En haut, nous avons le changement du collagène 5A1
et nous avons une position, un G, qui a été remplacée par un C. Ce qui se produit, c'est que ce C qui remplace le G fait qu'une cystéine devienne une sérine. On passe d'un Lego noir à un Lego jaune. Et ici, c'est dans l'endroit qu'il faut pour provoquer, pour créer un syndrome d'alerte dans l'os classique. C'est l'une des quelques mutations qui provoque le SED classique. Un deuxième type de mutation, c'est encore celui-ci, avec dans le collagène 5A1, on a un changement de position qui fait que l'acidamité de glutamine se transforme en codon de terminaison. Donc c'est la fin des LEGO. On ne crée plus de protéines parce qu'il y avait une glutamine avant, mais là on est en train de dire non, on va arrêter de créer des protéines et c'est la fin de ce LEGO. Donc ça c'est un exemple de changement du décalage du cadre de lecture. Il y a un changement dans la position et ceci fait qu'une... Il y a un changement du cadre de lecture dans l'arginine. Donc on a 76 bases de plus de langage de charabia, de quelque chose qui ne veut rien dire en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage du cadre de lecture. Et voilà comment nous établissons cette terminologie de mutation génétique, pour que vous le compreniez. Donc maintenant, vous devriez comprendre que les gènes, l'ADN, les chromosomes fonctionnent d'une certaine manière. Nous avons les instructions pour que le corps fasse son travail, c'est les gènes, et les gènes sont transmis des parents aux enfants. Nous avons déterminé que les gènes codent les protéines, et quand ce processus ne fonctionne pas bien, il y a des maladies qui apparaissent. Maintenant que vous êtes expert en ADN, j'espère que vous allez commencer à créer des clones. Mais je vais évidemment répondre aux questions que vous pourriez avoir lors de la séance de questions-réponses. Merci.